chaque jour quand on se réveille, il y a une volonté. Voilà, il y a un adage qui dit dans la vie, il faut toujours te battre pour avoir ton pain. Bon, il y a un autre adage encore qui dit, ce qui est pour toi, il ne faut pas te battre pour avoir ça, parce que Dieu t'a déjà destiné. Bon, moi, ma question, les gars, on se bat ou on ne se bat pas? On se fait quoi? Ah, donc battons-nous alors. Battons-nous, c'est important pour avoir le pain, il faut se battre. C'est pourquoi ici, chaque jour quand on se réveille, mais la chance aussi, c'est quelque chose qui existe. Voilà un jeune Sénégalais qui avait 90 francs dans sa poche, il allait jouer au jeu hasard, il a gagné 15 milliards. Actuellement, c'était même des jeux hasard là, et mais ils ont problème pour le payer. Donc ceux qui sont inquiets, la chance ça peut sourire. Ceux qui sont inquiets pour l'argent de décembre là, allez-y, jouer hasard, on sait jamais. C'est où on va trouver l'argent pour te payer là. C'est ça le problème. Et nous ici, chaque jour quand on se réveille, il y a une volonté. Quand vous voyez les artistes au sommet de l'air, souvent vraiment, c'est des gars qui ont beaucoup grouillé. Je vais vous parler d'une anecdote sur les Magic System. Vraiment, j'en profite pour dire merci encore au groupe Magic System parce qu'ils m'ont appuyé un peu sur le mouvement. Merci encore. Donc, quand ils commençaient, ils sont allés faire un gombo à Yamoussoukro. Et ils n'avaient pas l'argent pour retourner à Abidjan. À Salfo Tino Goudé Managa. Donc ils attendaient maintenant une autorité qui va sortir de la salle et vont ambiancer le gars et puis va leur donner transport. Toutes les autorités étaient déjà partis à Abidjan. Donc ils étaient arrêtés devant la porte. Voilà un tonton qui est sorti en costume dans la salle. Quand ils ont vu, ils ont dit, voilà, c'est lui-là qui a notre transport. Faut voir les quatre maisons derrière lui, tonton. Joli tonton, tu vas pas gâter ton nom. Joli tonton, tu vas pas gâter ton nom. Ah, le vieux ne l'écoute pas. Lui, il continue son chemin et ils sont derrière dans son dos. Joli tonton, tu vas pas gâter ton nom. Joli tonton, tu vas pas gâter ton nom. Ah, ils ont tellement embrouillé le vieux. Il y a les transports dans les mains. Il y a un vieux là, c'est un ancien Zouglouman. C'est là qu'il s'est retourné quand il les a regardés et dit, mes enfants, aujourd'hui là que je vais gâter mon nom, aujourd'hui là que je vais gâter mon nom. Ah. Et ils ont marché, ceux qui vous ont jamais dit, ils ont marché de Yamoussoukro jusqu'à Anoumambo. Applaudissez encore pour les maïs. On parlait de l'église et que l'INSEA se sent pas trop bien. Bon, voilà, il y a un vendeur de médicaments comme ça, lui, à Djamé. Il a arrêté à la gare, les gens sont là. Il y a un médicament de Cari, 100 francs, 100 francs. Personne ne le calcule. Il y a un médicament de Cari, 100 francs, 100 francs. Personne ne le calcule. Et au moment donné, ça aurait pu aller à les gars là. Donc, parmi vous tous là, il va gagner à Cari. Donc, parmi vous tous là, il va gagner à Cari. Bon, tous ceux qui ont Cari dans la foule là, et puis ils cachent là. Dieu n'a qu'à les tuer, tu attends la foule là. Donne-moi 8 là-bas. Donne-moi 4 là-bas. Il a vendu tous son médicament sur place. Là, vous avez ça, vous vous cachez. Chaque jour, quand on se réveille, il y a des maintenant, voilà, il y a longtemps, ceux qui cherchent médicaments d'hémorroïdes, bon, on appelle ça communément coco. Désormais, il y a un chercheur, un philosophe qui allait travailler. Il nous a retrouvé le médicament de coco. Et le professeur, il s'appelle Fio de Bio, parce qu'il nous a dit que c'est Vitago qui guérit coco. C'est Vitago qui guérit coco. C'est Vitago qui guérit coco. Voilà, désormais, si tu veux guérir ton coco, il faut mettre Vitago dessus, c'est géré. Chaque jour, quand on se réveille, c'était les affaires classées. Rendez-vous le 11 décembre au Palais de la Culture. Merci. Merci, en tout cas, on marque une pause. On sera